Et bonjour à tous, ces hommes de la chaîne du fourre-tout, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4. 4 ou 3? C'est 4 ou 3, je me rappelle plus à chaque fois. Non, c'est le 3, c'est le 3, pardon. C'est le 3, bienvenue pour l'épisode 3, et aujourd'hui on va s'attaquer aux permissions. Les permissions, qu'est-ce que c'est? Donc c'est comme si on utilisait p.isop. Mais pour une certaine permission, donc par exemple si vous utilisez, alors je sais plus si ça existe maintenant, c'est Group Manager ou Permission X. Donc pour gérer les permissions, donc par exemple si le grade membre il a une certaine permission et le grade visiteur non, le grade modo a des permissions que le grade membre n'a pas. Enfin bref, ça c'est fait grâce aux permissions. Et donc je vais vous apprendre aujourd'hui comment on les utilise, on les crée, etc. Donc tout simplement pour créer une permission, alors de ce que j'en ai fait, en fait, il n'y a pas de fichier à créer ni rien. Enfin, parfois il peut y avoir des fichiers, mais moi je le fais pas. Tout simplement parce que j'ai. Enfin, je trouve pas ça. J'ai pas encore trouvé l'utilité personnellement parce que j'ai pas encore fait de gros projets. Donc, par exemple, on va faire si. On va utiliser un autre event. On va utiliser un autre event. Event handler. Public void. Par exemple, on va faire. Oui, je sais. On lava. Quand on pose un bloc. Attends, je sais plus comment. Oui, place. On lava place. Donc, par exemple, on va mettre bloc. Place. Bloc place 7. Donc là, on va encore récupérer le bloc. Get block player p égale e.get player. Et donc là, on va mettre au lieu de si p.isop, on va mettre si p as permission. Et donc là, vous allez mettre le nom de la permission. Donc par exemple, moi je vais mettre lft, donc pour le fourre-tout, point lava.place. Donc s'il a la permission. Alors plutôt s'il n'a pas la permission, on va mettre point e.setCancel, donc pour la lave ne va pas se poser, et on va lui envoyer le message p.sendMessage chatColor.red. Ça m'énerve que ça fasse ça à chaque fois là. Hop, chatColor.red, vous n'avez pas la permission de poser de la lave. Et bien sûr, donc si b.getType, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Est égal à material.lava. Oui, donc du coup c'est lava bucket plutôt, je pense. Lava bucket. Hop. Donc en gros, donc si le type du bloc qui est posé, donc c'est un seau de lave, et s'il n'a pas la permission, cette permission, donc ça va annuler le fait qu'il pose le bloc, ça va mettre vous n'avez pas la permission. Donc là après, sinon. E.setCancelled false. Re, excusez-moi, petite interruption. Donc du coup, nous en étions donc si il n'a pas la permission lft.lava.place. Donc en gros, il ne pose pas le bloc et on envoie le message. Sinon, ça fait bien ce qu'il faut.
Du coup, je sais même pas si j'ai besoin de mettre le else. Je teste, je fais quelques tests en même temps. Et du coup, bah, on va pouvoir regarder du coup, donc build. Donc, le fourre-tout, on copie. Hop, c'était pas encore exporté. On le met dans le dossier plugin. On va ici, plugman reload le fourre-tout. Et donc on va essayer déjà, donc on va se giver la bucket. Donc si j'ai la permission, voilà, donc je suis OP, j'ai la permission, ça marche nickel. Maintenant, si je me DOP, ça marche encore. Alors qu'est-ce que j'ai foiré? Alors, est-ce que ça aurait changé avec... Ou alors, non. Non, 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 non. Je sais, à mon avis. À mon avis, ce n'était pas point lava bucket. C'était lava, en fait, je pense. On va tester comme ça, mais... Je suis pas sûr de ça, mais ça me... Je pense que ce serait la solution. Reload. Ah oui, bah. Évidemment, je vais devoir le faire par la console. Reload le four. Hop. Et donc là, ça marche encore. Alors pour moi, ça marche encore. C'est bizarre. Pourtant, je ne suis pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que ça détecte pas les 20? Ça, c'est aussi quelque chose de... que je voulais tester, mais apparemment, ça, je peux pas avoir plusieurs events dans la même classe. Donc on va essayer autrement. On va supprimer. On va supprimer ça. Et pourtant on register events. Donc logiquement il devrait y avoir plusieurs events. Build. On déplace dans plugin. Hop là. Continuer. Du coup, dans la console, hop, on reload, et donc là, donc ça marche encore. Donc, à mon avis, c'est un problème au niveau des permissions. Alors, c'est très bizarre parce que moi j'ai toujours fait comme ça. Est-ce que le game mode ne joue pas un rôle dans tout ça? Non. Bon, c'est très bizarre. Je vais voir ce qu'est le problème et je vous retrouve tout de suite. Et du coup, j'ai trouvé. C'était tout simplement que niveau du blog, j'ai fait e.getBlockPlaced en fait. Et j'ai rajouté. J'ai remis en material.lavaBucket. Donc, évidemment, si je mets pas le bon blog, ça risque pas de marcher. Donc, du coup, hop. J'ai remis l'ancien event, donc on va voir si ça marche. On reload. Et du coup, alors. Hop, je me réopé, ça va plus vite. Donc si j'ai la permission, tout va bien. Si j'ai pas la permission, tout va bien encore. Pourquoi ça ne marche pas? Je sais vraiment pas pourquoi ça ne marche pas. On va essayer encore une fois avec juste une bucket. Enfin, un lava plutôt. Build artifact, on va faire un rebuild, on sait jamais.
Du coup. Plugman reload. Donc, on pose le bloc de lave. Ça marche, donc ça c'est normal. Et maintenant, ça marche encore. Donc c'est un problème au niveau des permissions. Ok. C'est très bizarre, je vois pas pourquoi. Pourquoi ça fait ça? Pourtant c'est bien le bloc placé. Moi je pense quand même que c'est le bucket, donc c'est bien un problème niveau permission. S'il n'a pas la permission, donc ça c'est bon. Ok, donc je vais revérifier. Du coup, je vous retrouve tout de suite après dès que c'est résolu. Bon, il semblerait que ce soit un simple problème par rapport à la lave en réalité. J'ai fait quelques tests avec de la dor, ça marchait parfaitement, mais avec de la lave, ça ne marchait pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait pas le mauvais event? S'il faut, c'est par rapport à des fluides, par rapport à des blocs. C'est bizarre, mais bon. En tout cas, avec la lave, ça marche pas. Donc, avec la dirt, par contre, ça marche. Je prends la dirt parce que c'est plus simple, parce qu'il y a de l'herbe autour. Du coup, donc quand on fait build, donc là, ah oui, donc par contre, il faut que je change ça. Donc s'il n'a pas la permission, le bloc ne va pas se placer, il va disparaître automatiquement. Et on va lui envoyer, vous n'avez pas la permission de poser de la lave. Bon, je modifierai le message plus tard. Mais du coup, quand on reload, hop, donc là. Oui, par contre, on va faire game mode S. Donc, quand je pose de la dirt, ça ne fait rien parce que je suis OP. Mais si je m'enlève les permissions, ça marche encore. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas changé? Alors si oui, c'est parce que j'ai pas déplacé le jar, hein. C'est normal. Ok, j'ai peur à chaque fois. Non. Alors c'est reload, voilà. Et du coup, donc là, logiquement, quand je place un bloc de dirt, voilà. Donc ça met, vous n'avez pas la permission de poser de la lave, donc bon, bref, voilà. Donc là, c'est parce que je suis DOP. Donc du coup, c'est comme si je n'avais pas la permission. Donc là, ensuite, si j'active les permissions, donc si je suis OP, ça marche. Le bloc se place normalement. Et puis, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc c'était un petit épisode sur les permissions. J'espère qu'il vous aura plu. Un peu compliqué, un petit peu long, je suis désolé. Mais voilà, j'avais pas prévu qu'avec la lave, ça buggerait. Il y a une autre solution, sinon, ce que je peux vous dire à l'oral, je vais pas vous la montrer parce qu'après, à vous de faire vos propres choses, hein, après j'ai envie de dire. Donc vous pouvez vérifier si quand il pose le bloc, je pense qu'il y a moyen de vérifier si son item dans la main, c'est un seau de lave justement. Ou oui, c'est un seau de lave. Comme ça au moins, bah, il peut pas y avoir 36 000 solutions. Ça peut être que de la lave qui l'est posée, donc voilà. Bon bref, en tout cas ça marche pas. Donc bon, c'est bof. Mais bon, j'essaierai de trouver. Si jamais je trouve, je vous mettrai en annotation. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!